Yo, what up everybody, une fois encore, merci d'être là sur la chaîne King BMD. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 mai 2019, nous sommes au niveau de Airport Area. Restez connectés, vous allez voir beaucoup plus de choses tout à l'heure. King BMD, peace. Eh bien voilà, restez connectés, vous allez voir beaucoup de choses tout à l'heure. Nous sommes maintenant au seuil de l'avion, suivez-moi, c'est pas fini. Merci d'être là sur la chaîne King BMD. Vous êtes de retour encore pour la deuxième épisode, pour la deuxième partie de cette vidéo. Nous sommes au niveau de l'airplane, nous sommes au niveau de l'avion, mais c'est un avion qui est à la fois un restaurant, mais aussi une très bonne place pour ceux qui veulent faire le BFD et autre chose. Voilà. Donc, bien avant de commencer cette vidéo, d'abord, j'aimerais bien vous dire c'est quoi l'historique au niveau de cet avion. Cet avion, jusqu'au niveau de 2002, je pense, il y a jusqu'au niveau de 2002, mais l'avion a eu un petit souci. Et comme l'avion a eu le souci, c'est à cause de ça, ils n'ont pas voulu maintenant réadapter pour mettre l'avion sur le marché de la transaction entre le Ghana et les autres pays de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de mettre l'avion juste en place pour pouvoir faire un art, pour pouvoir faire du design que vous êtes en train de voir maintenant. Et je vous dis quelque chose, ce n'est plus un avion, mais maintenant c'est un restaurant. C'est maintenant un restaurant et il est bien situé au niveau du Ghana, plus précisément de la capitale à Accra. Donc c'est ça. Pour ceux qui sont au niveau du Ghana, sortez un petit peu, vous allez essayer de découvrir cette place. Je pense que c'est une super place et beaucoup de personnes vont aimer. On ne sort pas dans un avion. Si vous voyez que oui, ça va donner l'envergure voilà, d'un avion, mais là nous sommes au niveau d'un restaurant. Et donc c'est ça, nous sommes là juste pour venir prendre un peu de temps, pouvoir causer entre amis et voilà. Donc c'est ça. Et j'ai une surprise pour vous. Ne partez pas. Vous allez voir tout à l'heure la surprise. La surprise n'est rien d'autre qu'une personnalisée que j'ai reçue avant-hier chez moi. Et cette personne est venue passer un bon moment avec nous, mais aussi pour vous dire ici un coucou. Ceux qui sont abonnés sur la chaîne King BM, restez connectés. Vous allez voir sa face et il va vous introduire en vous disant un petit coucou tout à l'heure. King BMD, peace. You like it? Voilà, donc comme on était en train de dire, nous sommes là. C'est mon ami Monsieur Bangoua. Voilà. Vous êtes tous invités. Ben là, je vous rappelle que nous sommes en plein Ramadan. Voilà, nous sommes en plein Ramadan. Voilà, on a juste coupé le jeûne voilà, pour pouvoir sortir un petit peu de la ville. Voilà, donc c'est ça quoi. Manger et j'espère que tout le monde est ok, Monsieur Bangoua. Comment vous vous sentez? Oui, vraiment bien. Okay. C'était vraiment délicieux. Il n'y a pas de souci. On va essayer de continuer sur le vide. Juste il y a 2 ans de cela, en 2017, vous étiez avec nous ici au Ghana. Exactement. D'accord. Et ben voilà, je me demande, vous avez quitté le Ghana pour la Sierra Leone, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, qu'est-ce qui a été le motif de votre voyage, s'il vous plaît? Oh, il y a cela 2 ans, j'étais là et j'enseignais dans une école ici qui s'appelle Sainte-Catherine. Et de là maintenant, c'est le programme des volontaires de la CDAO qui m'a vu et puis s'était montré intéressé à mon profil. Et du coup, maintenant, j'ai dû le rejoindre en Sierra Leone, j'allais dire. Okay. Et vraiment, c'est ce qui avait fait que je m'étais déplacé de là en Sierra Leone. Et bon, c'est un peu cela. C'est un peu ça, voilà. Ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est un francophone voilà, qui est venu ici, il s'est bien concentré sur sa langue anglaise. Et bien après ça, directement, il a été pris par une école ici en place. Voilà, cela ne va sans dire que lorsque vous venez ici, vous devez être focus, vous devez être concentré sur ce que vous êtes en train de faire. Ok, Monsieur Bangoua, j'étais en train de dire tout à l'heure, lorsque vous avez fini vos 2 premières années à Sierra Leone, parce que je pense que vous avez eu un petit temps pour pouvoir aller à Guinée, n'est-ce pas? Et juste après la Guinée, vous aurez pu encore aller à Sierra Leone. Mais qu'est-ce qui vous a motivé de venir ici au Ghana? Et, ben, en fait, je savais aussi, j'avais toujours ce sentiment-là que je devais me retourner vu ce que j'avais vécu ici, quoi. Donc, ça m'a jamais quitté l'esprit de venir ici parce que je savais que l'école dans laquelle j'enseignais avait besoin de moi, de me voir les enfants et je savais que ça allait encore, comment dirais-je, améliorer de plus leur niveau de motivation. Et je savais aussi que j'avais voilà, un frère qui est très engagé et il avait été très commandé, gentil envers moi et
Charles, enfin, beaucoup admiré. Et du coup, je me suis dit, voilà, il faut me retourner et faire tout ceci là, juste pour, comment dire, dans une semaine, et puis me retourner. Ben là, Monsieur Bangoua, je pense que c'est une superbe chose, ok. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens francophones, disons, aux francophones qui viennent ici au Ghana pour pouvoir apprendre la langue anglaise? Parce que là, moi, je peux dire que vous êtes à un niveau super. Monsieur Bangoua, je disais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de nous regarder. 80% sont francophones et seulement 20% sont anglophones. Sinon, au départ, j'avais décidé de faire quelque chose de 50-50, 50-50, au moins pour pouvoir mettre la chaîne de façon bilingue. Mais là, je vois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont plaintes en disant que oui, ils ne comprennent pas. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, nous sommes purement en train de faire ces vidéos en français. Voilà, donc, quel est votre dernier mot que vous pouvez dire aux personnes qui sont en train de nous regarder maintenant sur la chaîne King BMB? Ok, merci M. Sako. Je ne ferai que leur encourager davantage à s'intéresser de plus à l'anglais et puis s'il y a possibilité de venir au Ghana et d'apprendre comme nous l'avons fait. Parce que là, vraiment, quand il y a beaucoup de francophones qui ont cette envie de venir au Ghana et puis d'apprendre la langue, et aussi de s'améliorer de façon professionnelle, nous ne ferons que qu'être heureux, parce que là, c'est notre objectif. Pour finir, j'aimerais beaucoup vous encourager à être plus intéressé encore à cette chaîne, parce que là, mon frère qui l'a créé comme ça, là, j'ai vraiment confiance en lui. Et là, je sais que vous n'allez pas regretter. Et continuez à le suivre. Et vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'être là ce soir. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bangoua. Ça a vraiment été un plaisir de vous avoir sur mon plateau aujourd'hui. Et merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Il n'y a pas de souci. Et bien avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que la semaine prochaine ou sur la vidéo prochaine, je vous dirai.